t'es prêt. Dès que t'es prêt, tu dis que t'es prêt, puis après ils gèrent. Et eux, ça leur permet de faire passer beaucoup plus d'avions. Vous quittez, au revoir. Ok, à tout à l'heure. Voilà. Donc là, le vent vient de la droite. Ok, 294. Ouais, c'est bon. Oui, serait autorisé décollage piste 29 gauche, vent 0,50 degrés, 12 nœuds. Autorisé décollage 29 gauche, Fox Romo X-ray. Ok, la puissance est disponible. Arme, le vanin est actif. Vanin est actif. On n'a pas d'alarme. De rotation, voilà, tout de suite, fais un palier d'accélération, en maintenant bien l'axe de la piste, donc petit coup d'œil latéral pour voir de trafic, comment ça se passe, en montée initiale, et dès qu'on est à 62, HR 200 en début de montée initiale, également. Et on est à 62. Info reçue, on fait attention et je rappelle en porte arrière, je vais être Fox Romix Ray, trafic PA28 va croiser les axes pour vers la rampe arrière. Visuel sur le PA28 Fox qu'on écrit. On va passer en mes tours, mes phares, la feu de neuf là. Non, je sais pas où il est le PA28, il est là. Non, ça c'est celui qui a décollé avec nous, il est peut-être là-bas, non? Ah bon, Fox Zulu Alpha, il est là-bas. Fox Zulu Alpha, numéro 1, rappelez final piste 29. Pour l'avoir et de Moulin. Je rappelle final piste 29 droite, Fox Zulu Alpha. Sécurité, tu rentres au volet, tu montes à 75. Renault Tango Saint-Cyr, bonjour. Coupe la pompe. Bravo papa, Renault Tango, un DR221, parking pas des aviations, demandons le roulage pour les pompes. Fox Renault Tango, on a eu un coup de téléphone, il faudrait que vous vous rendiez au parking haut des aviations. Je me rends au parking haut des aviations, Renault Tango. Fox Golf Delta en sortie d'or pour quitter. Fox Sierra Golf Delta, quitté, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Fox X-ray Golf, hello again. Fox X-ray Golf, Saint-Cyr, good day again. Il est là, l'avion, il est là, ouais. Golf X-ray Golf, DR48, returning from local site with information 125. Moi je mets 125. Fox Juliette Kilo, piste 28. C'est bon, tu l'actives. Fox Juliette Kilo, roulé Delta pour le parking. Et après tu mets la suite, celle d'après. Alors celle d'après ça va être 120.20. Ouais, c'est la tisse de Rouen, c'est ça? Attends, j'ai une bêtise. La tisse, ouais c'est ça, 120 725. Fox Bravo Echo et 3, j'écoute. Fox Sierra Bravo Echo, c'est un okay. 400. Ok, ah bah ouais, maintenant tu vas pouvoir ici, tu peux monter à combien? Je peux monter à 2000. Ouais bon, allez, ouais, plus que ça, tu peux monter à plus que 2000. Tu peux monter jusqu'à 2500. Fox Bravo Echo, c'est copié, vous affichez transpondeur 607 unités, confirmez le nombre de personnes à bord. 607 unités de personnes à bord. J'ai vraiment du mal à me repérer hein. Je la fin de il va être là-bas. Et ben t'as un cap hein, donc t'as, oui, non c'est à partir de Gaulle, ouais, hein, ouais, 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 ouais. Premier cap à Moll, ce sera combien? Cap à Moll, c'est 319. D'accord, donc tu prépares 319, éventuellement tu peux t'aider là-dessus, hein, mettre ouais. 319 là-dessus, voilà, comme pense bête, hein. 319. Hein. Okay. On tient compte de la correction du vent, hein, c'est ouais, ça? C'est d'accord, ok. Fox Bravo Echo, l'approche. Fox Bravo Echo, le transit est approuvé, le QNH 1024, vous confirmez le nombre de personnes à bord? Non. 1024 de plus. J'avais mis 2400 pieds, c'est vrai que c'est moins la guerre. Ouais, bah voilà. Ça c'est mal, hein. Ça c'est mal, ouais. C'est bon, donc tu prends ton cap. Alors je prendrai... Tu prends un cap, tu regardes ta montre. Ok, 3,48, je prends mon cap. 48, et puis tu prends ton cap.
parce que voilà, tu vas faire ça avec ta main gauche, tu tiens le manche avec ta main gauche, tu prends le stylo parce qu'elle va te donner un code transpondeur. Ok. Et redescends un petit peu, enfin ouais, c'est bon, tu vois, de toute façon. Évreux, bonjour, de Fox Romeo X-Ray. Fox Romeo X-Ray, Évreux, approche pas, cher monsieur, j'écoute. Fox Golf Yankee Romeo X-Ray, HR200 en provenance de Saint-Cyr, à destination de Rouen, pour un transit par vos installations, à l'est de vos installations. Fox Romeo X-Ray, vous affichez transpondeur 6070, confirmez le nom de personnes à bord ainsi que l'altitude de transit au QNH 1024. Alors, HR200 avec deux personnes à bord, nous souhaitons transiter à 4000 QNH 1024. Avec code transpondeur 6070 affiché. Correct, Romeo X-Ray, le transit est approuvé, monsieur. Transit approuvé, Fox Romeo X-Ray. Voilà. Ok, bon, alors là, le prochain point de la NAVS. Le prochain point de la NAVS, je vais même peut-être mettre, c'est la TIS. Ouais, bon, on l'a mis, hein, c'est mis, c'est la TIS. Ah oui, hein. C'est bon. Donc là, pour l'instant, on va rester avec eux, on peut pas les quitter, hein. Je peux pas écouter la TIS. Ah, on peut pas. Ah, d'accord, on peut pas. Parce qu'on a qu'une radio. Ah oui, d'accord. Je comprends un truc. Voilà, on peut regarder la carte, hein, voir si par rapport à notre trait. Et ouais, de face Golf Sierra Golf Delta, bonjour. Bah, normalement, dans 3 minutes, je dois arriver à Vernon. D'accord. Fox Golf Delta, il rapproche, bonjour. Oui, Fox Golf Delta, bonjour, en DR400, provenance de Saint-Cyr, pour un retour Saint-Cyr. Et on souhaiterait faire des évolutions entre Vernon et Évreux, à 3000 pieds QNH. T'as prévu de passer grande agglomération, tu dis. Et le Veil, ouais, d'accord. Ouais, je vois une grande agglomération là. Et c'est pas celle-là? Bah, je sais pas. C'est quoi ton cap, t'as fait un... C'est 335. D'accord, vas-y, alors augmente le petit chouïa. Ouais, je crois que j'ai un peu dévié. Ouais, je pense aussi, ouais. Voilà, parce que en fait, on devrait passer au nord de cette agglomération, là. Ouais. Et puis on devrait tangenter une boucle de la Seine. Ouais, elle est là, en fait. Voilà. Ok. Bah, j'étais trop parti à gauche. Ouais, ouais. Donc soit par le fait qu'il y a trop de vent, enfin le vent est plus fort que prévu, hein, soit effectivement, t'as peut-être pas bien estimé ta dérive. Voilà, et donc après, quand on aura tangenté la Seine, il y a une autre boucle de la Seine, et puis notre deuxième boucle, c'est notre point Sierra. Vous pouvez trouver les boucles. Hein. Comme cap en fait. J'aurais plus aller par là en fait. Ouais mais parce que tu corriges là. Là tu repars vers le nord, c'est ça? Ouais. Ouais t'es plus vers le nord. Non mais repars. Reprends ton cap. Il doit être là, il y a un bout de l'étang. Ouais. Voilà, reprends ton cap, allez, reprends ton cap que tu avais calculé. Évreux du Fox X-Ray Delta, bonjour. Voilà, reprends ton cap calculé, je sais plus combien c'était. C'était 335. En direction de Toussu, je suis prêt d'entrer dans votre zone. Nous sommes à 2500 pieds QNH 1026. Alors, tu vois les falaises qui sont au bord de la Seine, on les voit très bien. Ouais. Tu vois les falaises là? En fait, elles te matérialisent la boucle de la Seine qui est là. Donc ça repart, la boucle de la Seine repart comme ça. Il doit y avoir une autre boucle qui est là. Et le point Sierra. Transit de 2500 pieds et le transpondeur. Ouais, ça c'est des falaises qu'on voit, elles sont là. Après il y a une boucle et ça repart dans l'autre sens. Et il y a une autre boucle encore et c'est là qu'on a notre point Sierra. Je rappelle de retour sur la fréquence Fox Romeo X-Ray. Ok, voilà, donc elle te dit... Visibilité 9 km, pas de nuages. Vas-y, 9. Température moins 1. Point de revue moins 8, c'est QNH 1025, Fox Echo 1007. Attention, niveau SSDA, contactez 118 57 au premier compte.
contact avec l'information. Foxtrot reçu. Bonjour, you are 3-1 Senaport. Information Foxtrot recorded at 1405 UTC. The ILS in Newport runway 22 and tracking to London 04. Runway 04 in New Surface Wind 030 degrees, 15 knots. Visibility 9 km. No significant clouds. Temperature minus 1, dew point minus 8, connection 1-0. Tu redis bonjour. Pour quitter la fréquence. Ouais, tu dis égal c'est Delta, on va redescendre vers 2006. Tu dis oui, je suis à tout et je suis très très bien. L'information est détectée toujours pas sur mon radar. C'est la tour de Rouen, d'accord? D'accord. Évreux de Fox Romo X-Ray, je souhaiterais quitter votre fréquence pour contacter la tour de Rouen. Dans les zones, messieurs, je vous rappelle bien 2 minutes pour quitter. D'accord. C'est noté, Fox Romeo X-Ray. Voilà. Alors, donc du coup, on va regarder le point Sierra. Oui. Comment on va le repérer là sur cette affaire là? Il est là. Avec le vent, non? Ouais, avec le vent, mais il est au nord d'un étang et d'une boucle de la Seine. Alors voilà. Il y a une boucle de la Seine là, il y a un gros étang devant. Donc c'est là. Voilà, c'est là. Alors vas-y, tu je vais te le montrer exactement. C'est le château d'eau qui est derrière la falaise là. Ouais, je vois. Tu vois, d'accord? Donc ensuite, la hauteur du tour de piste à Rouen. Je vous détecte déjà présent, plein de ce terrain. 1500. Et Golfe Delta, reçu, on est en descente vers. Donc attends, il faudra le château d'eau faire avec moi sur le Delta. Il faudra lui dire. Il faut qu'on descende aussi, c'est quoi? On va descendre. Descend Hôtel Le Bravo, Zulu Delta, il rapproche. Bonjour monsieur, je vous écoute. Bonjour madame, c'est un dauphin, je suis posé à Gossel sur une propriété privée. Je mets en route pour un vol retour sur Toussus avec une sortie par passé sur heure. Hôtel Le Delta Romeo, c'est ici là qui est en service. Je vais écouter pour votre information. Le vent. Alors, une fois qu'on sera sur le point Sierra, il sera où le gars? Ah, vous êtes là, non? Bon. Il y a plein. Cap. 134 corrigé. 134, d'accord. Corrigé. Alors donc tu tourneras donc, il sera à gauche, d'accord? Ouais, ouais. Bon, bon vas-y. Et re de Fox Romeo X-Ray, on souhaiterait commencer notre descente. Fox Romeo X-Ray, bien affiché transpondeur 7000 et quitter la fréquence, monsieur, au revoir. On affiche 7000 et on quitte la fréquence, merci, au revoir Fox Romeo X-Ray. Ok, vas-y, mets-toi en descente tout de suite, 500 pieds minute. 3000 pieds à perdre. Voilà, et donc là, maintenant tu vas mettre la fréquence de la tour. Donc elle a dit 118,57. Voilà, continue à descendre. Éventuellement, tu peux mettre ton compensateur pour descendre, de façon à ne pas être emmerdé. Voilà. Voilà, 118,57. Voilà, et tu dis que. Tu leur dis bonjour. Reçu, bien vous faites attention aux piétons et aux voitures. Oui, on fait très attention à motoriser. Merci. Rouen Tour, bonjour de Fox Romeo X-Ray. Éco-Québec, gardez visuel sur le Cessna en montée initiale qui va virer à droite également. Autorise décollage 0,80. Ouais, on fera toucher. On garde visuel sur le Cessna. On va rentrer devant. On va décoller jamais. Col 04, Fox Éco-Québec. Ouais, la zone elle est là. Hein? Bon, j'écoute. Oui, Rouen de Fox Romeo X-Ray, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Fox Golf Yankee Romeo X-Ray, HR200, provenance Saint-Cyr-l'École, destination vos installations. On a copié l'information Fox et on est à une minute du poisson. Vos intentions, Romeo X-Ray? On sera pas à toucher, Romeo X-Ray. Et à l'issue? Et à l'issue, retour Saint-Cyr. Je suis désolé, je suis un peu curieuse. Affiché 3466, transpondeur 3466. 3466, et il n'y a pas de problème pour la curiosité. Je vous signale dans le secteur de Sierra, TR-400 au départ du terrain vers Sierra, en général on montait vers 2500 pieds, donc vous êtes en route opposée. Rappelez en vue, vous pouvez prévoir d'ores et déjà une entrée en semi-direct main droite, si vous le désirez. C'est noté pour le trafic et l'entrée en semi-direct main droite pour la 4 Fox Romeo X-Ray. Ok, donc là, on va chercher un terrain, parce que plus on est haut, plus il est facile à trouver.
après je vais un peu aller à gauche hein, parce que... Ouais, d'accord. Oscar 3, il est là-bas. Ouais. 020 degrés 17 nœuds. Ok. Mike, Oscar, Mike. Bah, donc ralentis un peu parce qu'on est où voilà, tu ralentis. Mike, Oscar, SK-76, helicopter out of EC for Echo Golf Lima Whiskey, for 3,000 feet, 1025, 20 miles southeast of the beacon, and we'd like to route through your airspace to the east. That's copied for the transit, Oscar, Oscar. Sorry, I didn't get the altitude. 3,000 feet, 1025. That's copied, scope 3, 4, 6, 7 for the transit. 3, 4, 6, 7, Mike, Oscar, Oscar. Dr. Victor, au parking pour quitter, bonne soirée, madame. Bonne soirée, Dr. Victor. Baptiste, elle est là-bas, okay. On la voit bien. Préparer ton avion, hein. Donc réchauffe, la pompe, les volets si on est dans l'arc blanc, on n'y est pas. C'est ça qui m'étonne. Non, c'est bon, elle a dit... Bonne famille directe. Bah écoute, tu dis qu'on est tape de base, hein. D'accord. D'accord, voilà. Fox, Romeo X-Ray, on est tape de base. Romeo X-Ray, numéro 1, rappelez final. Numéro 1, rappelleront final, Fox, Romeo X-Ray. Ah, devant nous, c'est la ville de Rouen. Ah oui, d'accord. Si c'est 1500 pieds le tour de piste, bah, j'y suis pas. Voilà, tu me diras. Voilà. T'es là, t'es là autour du tour de piste. Bah, j'y suis là. Voilà, bah, tu peux même te payer le luxe d'un petit palier. Hein. Ouais. Et après, tu. On est. Voilà. T'es bien là. Ouais. Voilà, essaie de faire des morceaux de ligne droite, c'est-à-dire d'avoir un repère là, de mettre tes ailes horizontales et d'aller se faire ce repère. Et jeter des petits coups d'œil sur ton sur ta piste, mais pas faire une espèce de pentatoïde pour un. De Fox, c'est qu'au Québec, pour info, on arrive sur Sierra, on sera vers 2400 pieds. Auto là, hein, tu vas voir. Moi je suis qu'au Québec. La piste est très grande, donc pas l'habitude. Voilà, on n'a pas l'habitude. Fox, c'est qu'au Québec. On a l'habitude de Saint-Cyr, mais là, tu vois, regarde ta piste, elle est très très grande. Ouais, j'ai tourné. Et donc, il y a un effet. En face. Ah, et là, on va pouvoir travailler le plan avec les deux doigts. Travers Echo 1100 pieds pour quitter. Ah, et tu es dans l'axe, bien tu sors tous tes volets et tu prendras 70 nœuds. Voilà. Et tu vises. Tu vois les deux gros plots blancs qui sont. Pas tout à fait au début de la piste, mais un petit peu après. Et oui, c'est entre ces deux gros plots. Ça s'appelle les plots IFR. Fox Romeo X-Ray en finale. Romeo X-Ray autorisé à l'option piste 04 avant 020 degrés 13 2. Vous voulez un virage à droite après? Ouais. Autorisé option pour la 4 et affirme pour le virage à droite après Fox Romeo X-Ray. C'est approuvé, rappel en sortie. Rappel en sortie, Fox Romeo X-Ray. On passe sous le plan, là, t'es en train de passer sous le plan. Vise bien entre les deux plots IFR, entre les deux plots blancs, là, les deux gros plots blancs, et contrôle bien ta vitesse. Hein, 65 nœuds minimum. Voilà. Y'a pas de tapis. Droite, 04. Oscar Foxtrot numéro 2, le précédent en courte fait une option, rappelé en finale derrière. Fox, Oscar Fox, en 0. Tout réduit, voilà, continue à descendre. Et tu feras ton palier, fais ton palier de décélération. Ouais, continue à tirer, voilà, doucement. Voilà,
Encore, tire encore, 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 tire, tire, tire. Refuse, refuse qu'il se pose. Voilà. Voilà, tu tires encore. Et voilà, allez, tu vois. Et on repart. Et tout est rentré, on est reparti. C'est bon. On est en lisse. Hein. Donc ce sera rotation 55 et vitesse de montée initiale 75,2. Doucement, voilà, palier d'accélération. Palier d'accélération, laisse-le accélérer jusqu'à 75,2. Pour sans redescendre. Ouais. Voilà. Sans redescendre. Voilà, on est à 75, tu mets ton assiette de montée. Et donc, une fois qu'on aura quitté la piste, tu prendras un cap 153. Donc un virage à droite. Ce sera pas tout à fait 153 parce qu'on va éviter l'agglomération qui est là. Donc tu vas passer... Enfin, tu verras. Hein, tu évites l'agglomération. Carfox, on est en base droite, on n'a pas de déviation numéro 1. Voilà, tu vois, tu vises en tout là. Versez-vous à présent le numéro 1, rappelez en courte, j'ai pas visé sur vous. On rappelle en courte, ça. On rappelle toujours à 75. Ah, voilà, ça va, parce que n'oublie pas que t'as le vent du nord qui va nous pousser sur cette agglomération. Non. 75, hein, on a 10 nœuds de trop, hein, c'est 10 nœuds qui nous empêchent de monter. Parce que c'est déjà, il monte pas terrible cet aviron. 153, c'est, ah oui, c'est après le village. Ouais. Essaye de monter un peu plus, un peu plus lentement, voilà. Premier X-ray, vous montez par quelle altitude? 4000 mètres, 4000 pieds, tu lui dis. Nous montons à 4000 pieds, Fox Rom X-ray. Reçu, mais je vous rappelle quand vous serez identifié. Reçu, Fox Rom X-ray. Voilà, tu vois la falaise là-bas? Ouais. Eh ben, je crois que c'est que tu vas là-dessus. Sierra vers les installations par une base okay, droite. Trop rappelez pour la base droite, Éco-Québec. Rappelez base droite 04. On rappellera base droite 04, comme c'est Éco-Québec. Voilà. Et t'as un grand lac à droite de la falaise. C'est sur ce lac. Oscar Foxtrot autorisé à l'option. Continuez à monter. 04. On va monter jusqu'à 4000 pieds. Autorisé à l'option 04. Ok, la tige de sécurité, elle est dépassée. Donc tu coupes la pompe. Il n'y a pas lieu d'être. Bon bah c'est bon, 75,2. On continue la montée à 75,2 jusqu'à qu'on soit à 4000 pieds. Je vais t'en prendre les commandes et tu vas préparer ton papier pour le retour. Ok. À moi les commandes. Je pense que tu peux compenser en montée, hein. Tu compenses, et ça te simplifiera la vie grandement. Ouais. Fox Echo Québec, droite. Ouais, fais gaffe à ta vitesse, hein. Descends pas trop non plus, voilà. Echo Québec numéro 2 derrière un Cessna 150 en courte, rappel final derrière. Numéro 2 derrière le... Voilà, on est à Sierra, alors derrière, on prépare la fréquence d'après. Donc c'est... C'est 118, 125. Ah, c'est bon, voilà, il est d'accord. Ok. Est-ce qu'on est passé pas Sierra, je vois pas. Non, non, là, toi, ah, il est là sur la gauche, on va là, on va aller, ouais, bon voilà, tout à l'heure on lui dira qu'on est pas Sierra. Donc tu lui diras, je suis pas Sierra pour. Je souhaiterais quitter la fréquence pour contacter eux. Fox Rom X-ray, je suis au point Sierra pour quitter la fréquence et passer avec Evreux. Eh bien, Romeo X-ray avec Evreux, 118-12, bonne fin de journée, au revoir. C'est noté 118-12 pour Évreux, bonne fin de journée, Fox Rom X-ray. Allez, allez. Et donc là on passe avec Évreux, ouais. Voilà. Rebonjour Évreux de Fox Rom X-ray. Fox Rom X-ray, ouais. Tu l'as dit? Oui, oui. Fox Golf Yankee Rom X-ray, HR200, deux personnes à bord, en provenance de Rouen à destination de Saint-Cyr, pour un transit par vos installations à 4000 pieds QNH. Je suis transpondeur 60-70-6070. J'ai pas compris. 60-70 on transporte de Fox Rom X-ray. C'est quoi avec le QNH 1024? Le QNH 1024 et on souhaiterait transiter à 4000 pieds, on monte vers 4000 pieds, Fox Rom X-ray. Oui, c'est bien copié. Voilà.
J'ai pas compris le patron sur l'arc. 60-70. Ouais, non, mais après, il a dit 6-0-7-2. Ouais, on a eu X-ray, je suis autorisé au transit. Vous me rappelez stable dans un premier temps à 4000 pieds. Autorisé au transit, on rappelle stable à 4000 pieds, Fox, on met X-ray. Voilà. Alors, ton cap, le premier cap. Mon premier cap après le point Sierra, c'était 165. Ok, 165. On va à droite. Voilà. Ça tenait compte de la dérive, hein, 165. Ouais. D'accord. C'est les super légers, en fait. Hein. Voilà. On s'arrête, on fait un complet, on réorganise les papiers au sol, etc. Bon, on a été un petit peu plus vite. Ouais, c'est pas grave. Hein, voilà, et tout de suite, donc 165, et on vérifie le cap. On fait un recoupement avec ce qu'on est censé faire. Hein. On est censé être tangent à la scène, ouais, de ton côté. Ouais. Hein, ouais, c'est, voilà, c'est pas trop mal. Oui, je vois bien derrière. Hein, ouais. Donc, voilà, donc là, tu verras pour le retour, tu verras mieux, parce que tu seras du côté bien éclairé par le soleil. Voilà, à 4000 pieds, tu te mets en palier. Et puis tu lui diras que tu es stable à 4000 pieds. Foxtrot X-ray, stable à 4000 pieds. Je suis confirmé le cheminement de transit. Bah, tu lui dis qu'on passe. On va passer à. On passera au sud-ouest de Vernon et puis après sud de Mantes-la-Jolie. Foxtrot X-ray. Et après Roméo X-ray, vous me rappelez en sortie de zone? Nous rappellerons en sortie de zone Foxtrot X-ray. Merde, encore une pose des questions auxquelles tu sais pas répondre. Mais surtout, enfin, honnêtement, je vois pas par où on peut passer, quoi. Ouais, ouais, on va pas faire un détour, quoi. Enfin, tu sais, ce sont des militaires. Ça sent. Et donc, ils sont psychorigides, hein. Ça sent, ouais. Voilà. En particulier, si tu leur donnes pas le nombre de personnes à bord, ça va les empêcher de dormir, quoi. Il y en a dans la nature de sang, on peut au moins être 8, hein. Ah, bah voilà. Enfin, bon, ils sont comme ça. Ils sont dressés comme ça. Hein. Mais il y en a qui donnent à chaque fois les infos là. Il y a des pilotes qui donnent toujours le nombre de personnes à bord, même quand ils sont des trucs. Ouais, civils, mais bon, voilà, parce que les gens, c'est pas complètement idiot, parce que bon, tu donnes des informations que tu donnes toujours, hein, d'où tu viens, où tu vas, nombre de personnes à bord. Tu peux même dire, il y en a qui disent équipé de transpondeurs, hein, parce que voilà, bon, où tu peux. Il y en a qui passent toujours avec l'information Paris Info pour afficher des codes. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est.